Cette exposition a lieu dans le Palais du Roi de Rome, qui est cette belle demeure historique du 18e. J'ai la chance de pouvoir exposer dans cet espace, qui est un espace très contrasté en termes d'architecture. On trouve des petites pièces et puis des volumes plus importants. Et ma peinture, en fin de compte, habite ces lieux vraiment au chausse-pied. J'ai une peinture qui est très contrastée, qui traite des histoires de la vie, de nos vies, des périodes les plus dures, les plus sombres de nos vies, mais également des éblouissements, des lumières et de tout ce qui peut nous procurer le bonheur. Cette exposition s'articule autour de plusieurs axes. Une présentation dans un premier temps qui est sur la première pièce, qui est assez générale et assez ouverte sur la nature, où on voit des plantations d'iris qui nous laissent à penser que la vie nous réserve des surprises, comme les rhizomes, quand on les plante, les rhizomes d'iris qui ressortent 2 mètres à côté. Mais oui, la vie ne nous appartient pas. Et puis nous cheminons dans ces espaces pour aborder des thèmes aussi durs, aussi graves que les innocents condamnés. Je parle dans une pièce qui suit également de l'exclusion, avec un travail sur les SDF, chemin de SDF, chemin de croix, qui est un travail qui a déjà été exposé à plusieurs reprises dans différents lieux porteurs de sens. Nous montons à l'étage et là nous arrivons dans des espaces qui sont plus importants où il y a une respiration, où l'on peut bénéficier d'un ruissellement de grâce, d'une certaine douceur, d'une certaine respiration. Et tout ceci nous amène jusqu'à une dernière petite pièce qui est assez réduite en termes de volume, mais on va se retrouver confronté à un travail sur les otages. Un travail très art graphique, donc noir et blanc, ce sont des dessins monotypés. J'invite le spectateur à se retourner vers son intériorité, à se retourner vers lui-même, à chercher sens dans sa vie. Ce palais du roi de Rome nous amène sur cette dernière pièce qui est en cul-de-sac. Donc c'est une invitation à revenir en arrière, à faire une relecture de vie, à revenir sur ses pas et à revivre les joies et les peines que nous avons traversées. Une invitation également à trouver un sens. J'offre mes questionnements aux yeux et au cœur de chacun. Et à chacun, avec ses yeux, avec son cœur, avec son vécu, de progresser dans cette exposition, d'intérioriser et de chercher un sens. Je termine sur cette dernière phrase: l'homme n'est-il pas chercheur de sens de toute éternité ?